DMTV breaking news. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV Breaking News, parce que l'actualité n'attend pas, DMTV n'attend pas non plus. Une lueur d'espoir pour l'international congolais Gianelli Imbula qui va peut-être voir le bout du tunnel. Hein. L'international congolais de 28 ans pourrait rejoindre le Portugal, hein, où il va rejoindre en tout cas un autre international congolais. Il s'agit bien de Chancel Mbemba, surnommé demi-dieu, qui évolue du côté de Porto. Et Gianelli Imbula pourrait signer dès ce jeudi 4 mars 2021 un contrat avec son nouveau club, hein, le club de première division portugais. Il s'agit bien du club Portimonense Sporting Clube, qui aurait des intérêts en tout cas sur notre international congolais Gianelli Imbula. Et ce club Portimonense Sporting Clube occupe actuellement la 13e place du classement, hein, au niveau du championnat portugais de première division, après 21 journées, 20 points, hein, à son compteur, hein, 5 matchs gagnés, 11 perdus et 5 matchs nuls. Et la dernière rencontre livrée par ce club, c'était le 28 février 2021 dernier, la réception de Martimo, match soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. À noter que le prochain match de ce club sera la réception après-demain, hein, le 6 mars 2021 prochain, la réception de Tondela. Nous croisons les doigts en tout cas pour l'international congolais qui a trimé en tout cas. On espérait le voir transféré lors du mercato hivernal. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. On espère, hein, que Gianelli Imbula finalement aura à trouver un point de chute. Hein, au Portugal, le championnat portugais de première division a aussi un bon niveau, l'un des meilleurs championnats en tout cas en Europe. Après son feuilleton Guingamp et Nantes, finalement Gianelli Imbula va peut-être quitter la France, hein, va quitter l'Hexagone pour aller du côté du pays de Cristiano Ronaldo, retrouver Chancel Mbemba. Le milieu de terrain international congolais reste en tout cas confiant, hein, il n'a jamais abdiqué, il espère en tout cas rebondir, hein, et se trouver un nouveau challenge, et nous l'espérons ici également pour l'avenir de nos léopards. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce breaking news, hein, parce que l'actualité n'attend pas. DMTV ne pouvait pas attendre non plus. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous le savez, vous pouvez aussi partager avec nous votre opinion, votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche, hein, que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, avec promesse bien entendu de revenir, hein, en cas de contrat confirmé. En tout cas, comme on l'a dit, Gianelli Imbula pourrait paraffer son contrat avec le Portinense Sporting Club dès ce jeudi 4 mars 2021, sauf retournement de situation. Nous espérons en tout cas que cela n'arrivera pas et que Gianelli Imbula finalement trouvera son point de chute au Portugal. DMTV vous remercie encore une fois de plus et vous dit au revoir. DMTV breaking news.